Alors là, aujourd'hui, c'est la journée de prise de vue pour les visuels de la campagne de publicité sur la marque employeur, qui est une campagne où on a toujours la présence du fil électrique, comme on a pu l'avoir dans les précédents visuels des autres campagnes de publicité d'EDF, donc très décliné et très cohérent par rapport aux autres campagnes. Alors, il y a 4 visuels sur 4 thématiques différentes qui correspondent aux objectifs de recrutement, les ingénieurs, les techniciens, l'alternance et le handicap. Alors ces visuels auront plusieurs utilisations possibles. D'abord des insertions dans la presse et également de la publicité sur Internet, mais également à être mis en affichage sur des forums, des salons de recrutement ou lors de manifestations où nous souhaitons parler de recrutement. Il y a un véritable besoin de recrutement, effectivement. Sur l'année 2011, on aura fait au total, dans tous les collèges de l'entreprise, dans tous les métiers, à EDF en France, près de 5000 recrutements. C'est un trend qui va se poursuivre dans les années qui vont venir. On pense que 2012 et 2013, on sera à peu près sur les mêmes enjeux de recrutement. Ce sont nos salariés qui connaissent nos métiers. C'est eux qu'on a voulu valoriser parce que qui peut parler mieux d'EDF comme employeur que ceux qui sont employés par EDF, c'est-à-dire nos salariés eux-mêmes. Pour nous, c'était une évidence. Et en ayant recours à des salariés, on était absolument certains qu'ils nous diraient que les situations étaient les bonnes et qu'était effectivement leur situation de travail. Ça fait 1h30 d'installation pour à peine 10 minutes de prise de vue. C'est incroyable. Et le nombre de personnes aussi qui gravitent autour du photographe et le directeur artistique, tout ça, je n'imaginais pas ça comme ça. Et puis le maquillage. C'est important pour la lumière, donc sympathique de se faire pouponner, quoi. Je vous amène votre café. Ah, c'est gentil, merci. Oui. Une vie de star. Ah oui, le petit son, ça fait du bien qu'on s'occupe de ça. Une vie de star, c'est ce que je disais à mes collègues. Si tu fais 1m55 et que tu es en surpoids, tu peux être mannequin. C'est plus difficile à lire, mais en même temps, c'est plus subtil. Je me sens honorée du fait qu'on ait pensé à moi pour faire ce projet-là. La star de l'apprentissage chez EDF. C'est pas toujours facile de trouver les personnes à faire figurer dans nos publicités quand on en a besoin. Il faut trouver les bonnes personnes dans les bons métiers, aux bons endroits. Donc on est preneur de toutes les candidatures. Et faites-vous connaître à travers votre profil sur l'intranet.